Tester le matériel, trouver la bonne pression des pneus, voilà la mission d'Adrien Petit en ce jour de reconnaissance. 2 ans que le nordiste n'avait plus couru le Paris-Roubaix. Ça nous permet aussi de prendre des repères sur du terrain vraiment glissant qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais il y a l'excitation qui est là quand même. Son amour pour les pavés, Adrien le doit à son papa, ancien coureur. Tout jeune, on allait souvent sur Paris-Roubaix. Et de voir tous les champions emprunter les pavés, ça lui a donné envie de faire du vélo. Alors donc, c'est pour ça qu'il aime bien d'être là, quoi. Vous allez vous amuser dans la boue, là. Conditions extrêmes pour cette reconnaissance. Heureusement, pas de glissade. À l'horizon, le ciel noir et les secteurs du Cambrésis humides depuis plusieurs semaines. On passe en mode cyclocross dès le pavé de Vertin. Les averses succèdent, les coureurs sont obligés de s'arrêter pour prendre leur veste de pluie. Le point positif, c'est que ça nettoie les pavés. Mais ouais, non, là, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Super glissant, énormément de boue. Et on a fait 5 secteurs. Ça va être long jusqu'à Roubaix. Dimanche, il devrait faire plus sec pour enchaîner les 29 secteurs et tenter de déjouer la concurrence. Comme celle de son ancienne équipe Cofidis, elle aussi en repérage des nouveautés. Et surtout de l'aménagement de dernière minute. La fameuse chicane avant l'entrée de la tranchée d'Arambert. Un virage à droite et un 180 à gauche pour casser la vitesse du peloton. Premières impressions à la sortie de la trouée. On arrive dans le pavé vraiment à l'arrêt. Donc cette trouée nous paraît interminable par rapport à d'habitude. Je pense que c'est au moins facilement 40 secondes d'effort en plus. Pour se remettre, quelques encouragements et de l'huile dans les rouages. Et voilà Adrien Petit reparti à l'attaque, direction Roubaix.